La ville de Lagnieux se développe surtout à l'époque médiévale, au moment de ce qu'on appelait les guerres delphino-savoyardes. C'est une zone stratégique dans un conflit territorial entre la Savoie et le Dauphiné. C'est vraiment une ville médiévale avec des rues assez tortueuses. Emprisonné dans une enceinte qui semble construite aux alentours de 1377, une enceinte assez importante avec une dizaine de tours dont il reste quelques vestiges. Il semblerait qu'en 1471, la famille Montferrand, qui s'est implantée au début du XVe siècle ici à Lagnieux, obtient du duc de Savoie l'autorisation de construire un château contre la muraille de 1377. Il a été vendu à la Révolution comme bien national et transformé en habitation particulière puisqu'il avait été acheté par pas moins de 13 propriétaires différents. Et le 28 décembre 1990, il a été inscrit au titre des monuments historiques par arrêté préfectoral. Et le rapport de protection insiste sur des fragments de peinture murale représentant une scène de tournoi, quelques vues de ville, le reste n'étant ni visible ni compréhensible. On a toujours su qu'il y avait des peintures, mais on n'en voyait que très peu, hein, puisque c'était très dégradé. C'était une pièce qui était constamment fermée, qui servait de débarras, donc personne ne connaissait vraiment l'existence de ces peintures, à part les vieilles familles de Lagnieux. Au départ, on ne savait pas si ces peintures pouvaient avoir une importance historique. On n'en connaissait que deux petits fragments. Donc la commune a pris l'initiative de demander à une restauratrice spécialisée en peinture murale de venir faire des sondages et de faire un devis pour la restauration de cette pièce. On a pensé qu'il y avait des éléments intéressants à découvrir. Et c'est là où la mairie a décidé de se porter acquéreur de cette partie du château pour justement mettre en valeur ces peintures, sauver ce patrimoine exceptionnel. Ce décor était recouvert par deux couches de badigeon. Donc tout ça, je l'enlève pour revenir sur la couche d'origine du décor. Cette couche qu'il faut arriver à enlever aussi, qui vient cacher des éléments du décor. On doit aller très très délicatement pour garder le maximum de la polychromie originale. Il y avait énormément de trous. Tous les trous que vous voyez là, c'est des clous. Nous n'avons aucune indication sur l'artiste ou les artistes qui ont exécuté ce décor. Mais c'est une technique à la D30, c'est un type d'exécution très français qui date du XVIe siècle, mais qui a posé justement des problèmes de conservation, puisque c'est une peinture qui va disparaître couche par couche. Et donc par endroits, il manque vraiment des parties importantes du décor, même si en apparence, il reste des silhouettes, il vous manque tous les détails qui sont partis. Je vais combler la fissure avec un enduit de chaux et de sable et je mets des pailles pour me laisser des trous d'injection. C'est des zones de fragilité, il faut redonner de l'adhérence. Une fois le dégagement effectué par la restauratrice, nous nous sommes trouvés face à deux grands ensembles décoratifs. Des scènes assez archaïques dans leurs dessins sur les murs nord et sud, représentant essentiellement des combats, un personnage tuant des lions, et puis sur les murs est et ouest, des scènes plutôt liées à l'univers courtois, à l'univers seigneurial. Et il y a cette allégorie de la tempérance ou de la chasteté qui est généralement associée à un mariage. C'est les sels minéraux qui apparaissent en surface, comme dans la grotte. Donc je vais essayer de les extraire en appliquant des compresses de papier à l'eau déminéralisée. Ça va pomper un peu le mur et faire venir à la surface ces sels qui vont adhérer au papier. Nous savons que nous sommes à l'étage noble, nous sommes dans un espace indéniablement seigneurial et qui est destiné à être fréquenté et à être vu.
De par la technique qui a été utilisée et de par les costumes les plus contemporains dans certaines scènes, on peut inférer que le décor a été exécuté dans la seconde moitié du XVIe siècle, approximativement sous les règnes d'Henri II ou d'Henri III. Est-ce qu'on pouvait comprendre pourquoi il y avait des scènes aussi différentes et est-ce que ça véhiculait un message? Et deuxième question, est-ce que l'artiste avait utilisé des modèles et si oui, lesquels? Bien que je travaille sur le support, je suis déjà plus dans la phase de restitution-restauration. On voit bien que j'ai fait le petit rebouchage avant avec un petit enduit de sable et de chaux aérienne et que le grain est trop gros. Donc mon enduit de finition vient finir. Il faut tenir compte sans cesse de la finalité du travail qui est de donner à voir une composition artistique, une représentation qui a été réfléchie, construite. Il y a des indices dans ces représentations, il y a notamment ce qu'on appelle des phylactères, c'est-à-dire des bandeaux sur lesquels sont écrits des mots en caractère gothique. Et la restauration pouvait permettre de rendre ces phylactères un petit peu plus lisibles, et avec la combinaison du texte et de l'image, il devenait plus facile de chercher et surtout de trouver les sources de certaines de ces compositions. En restauration, on ne recrée rien si on n'a pas un document vraiment authentifiant l'original. Le restaurateur, il est toujours un ton en dessous de l'original. Si demain on estime que mon travail est à reprendre, je peux enlever toutes mes retouches sans altérer l'original. Il y avait un personnage qui revenait d'une composition à l'autre, qui dans une scène tuait des lions et dans d'autres scènes portait une dépouille de lion sur la tête. Il brandissait également une massue, ce qui sont les attributs traditionnels du héros antique Hercule. Donc il fallait chercher un ouvrage illustré de gravures, plutôt de gravures sur bois avec des phylactères, racontant des scènes de la vie d'Hercule, mais pas les scènes que l'on connaît habituellement, c'est-à-dire Hercule ne tue pas un lion, le lion de Némée, il tue trois lions et en présence d'un personnage qui s'appelle Philotès. La conjugaison de ces différents éléments, on ne la rencontre que dans un seul et unique texte, à ma connaissance en tout cas, qui est le recueil des histoires de Troie. Quand on parcourt l'ensemble de l'ouvrage, on trouve les compositions du Château de Lagnieu et c'est ce qui nous a permis de les identifier. Mais pourquoi l'artiste a utilisé des scènes de la vie d'Hercule spécifiquement tirées du récit de Raoul Lefèvre, courtisan des ducs de Bourgogne? Dans un ouvrage d'Olivier de la Marche, qui était le mémorialiste de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, il relate le mariage de Charles le Téméraire avec Marguerite d'York, la sœur du roi d'Angleterre. Toute l'aristocratie européenne avait été invitée. On l'a appelé le mariage du siècle à l'époque. Et on sait également que deux frères de la famille de Montferrand, Antoine et Jean de Montferrand, étaient respectivement conseillers du duc de Bourgogne et du roi de France à la même époque, dans les années 1460. Ce mariage est célébré à Bruges, on donne un tournoi qui dure plusieurs jours, le pas de l'arbre d'or, c'est-à-dire le tournoi de l'arbre d'or. Et à Lagnieu, on identifie, notamment sur la place d'une ville, un arbre qui porte des fruits dorés. Et grâce à Olivier de la Marche, on sait que le soir, lors des banquets, on représentait des mimodrames, donc des scènes théâtrales, tirées de la vie d'Hercule, d'après le texte de Raoul Lefèvre. Et grâce à la correspondance d'Olivier de la Marche, on sait que la famille de Montferrand avait été invitée à ce mariage en 1468 à Bruges. Il y avait des membres de la famille de Montferrand.
L'agneux serait donc peut-être l'une des rares représentations très postérieures du mariage de Charles le Téméraire et de Marguerite d'York. Donc ça fait de ce décor quelque chose de tout à fait unique dans le département de l'Ain et de tout à fait remarquable même à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et il y a dans cette redécouverte un signe très fort qui renvoie les habitants de Lagneux aux origines de leur commune et aux origines prestigieuses de leur ville. Le château de Montferrand fait partie de la mémoire et de l'histoire de Lagneux. Et je pense qu'il est très important de transmettre en état ce que nos ancêtres ont bâti aux générations futures. Et je crois qu'on peut le dire, c'est le trésor de la ville de Lagneux.